Salut Jérémy. Dieu. T'as la forme, chef? Bah écoute, très bien, et toi? Super. Bon, on commande un petit quelque chose? Je suis chaud. Allez, on a juste le temps de commander et on se retrouve juste après le générique. Bon Jérémy, on s'était croisé il y a quelques temps sur le Semnose. Entre-temps, on a beaucoup entendu parler de toi, malheureusement, au Haïfa FF Festival. Je crois que tu avais fait un peu des siennes. Qu'est-ce qui s'était passé? C'était passé rien de bien compliqué. Je me suis perdu en l'air. J'ai cru que le sol était le ciel et que le ciel était le sol. Et quand j'ai voulu atterrir, bah, j'ai cru que j'étais bien. Et en fait, j'étais pas bien du tout. Bon. Donc j'ai atterri sur la tête, j'ai rebondi. Et quand j'ai rebondi, là, je me suis cassé une petite partie du dos. Et donc à partir de là, pas mal d'opérations, pas mal de remises, j'ai envie de dire, en forme. J'ai été très chanceux et j'ai eu deux vertèbres de cassé et une épine dorsale. Ça a été opéré le lendemain, le surlendemain je marchais. Et ensuite tout ça, bah, j'ai en rééducation normale malgré les certains problèmes que j'ai eu dont je parle dans le film. Et après je me suis fait enlever le matos il y a un mois à peu près. Puis depuis, bah, voilà, rééducation classique, rien de très compliqué, avec mon kiné du lac à Annecy qui s'occupe super bien de moi depuis des années. Puis là ça va bien, j'ai déjà repris le ski. Bon, par contre c'était un mal pour un bien puisque ça t'a laissé un peu de temps pour bosser sur pas mal de projets. C'est clair que genre si on me demande si je devais refaire cette journée où je suis tombé, je peux t'assurer que je la referais parce que tout ce qui s'est mis en place depuis que je me suis blessé, ça m'a permis de repenser un peu à comment je voyais le ski, la vidéo, ma carrière en général et ma vie en général. Et tout ce qu'en a découlé, tous les projets qui se passent en ce moment et qui sont encore en conception en ce moment, c'est des choses que... Ben, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Aujourd'hui, l'idée, c'était quand même d'aller se chauffer un petit peu en attendant la neige, d'essayer de ne pas multiplier les fractures et les erreurs bêtes et méchantes. Donc, on va aller s'entraîner. Mais tout de suite, on va regarder quelques images de ton film, justement, le teaser qui est sorti. Et puis, on se retrouve tout de suite après, direct à la salle de sport. Yes, sir. Puis là, il se met le plus gros crash que j'ai vu de ma vie, quoi. Lights off in that condo with no convo. I just hear it. Those bongos and that song goes with my heartbeat and my spirit. Crushing that hash chopped and I ash that on that glass top to this half shot is my last shot in my glass bill and my hash drop. No company in my condo, no convo, just bumpers. No death flow and no Facebook, no refill, I respark. Just me here with this loop bang and my mood changing, I'm pissed off. Overworked and my dues paid, my rent late and that shit cost. So I inhale till my lungs burning, I'm unlearning my training. No concern in my conscience for no bullshit and complaining. My phone off, no contact, no email and no text. No time frame in my mind frame for that voicemail to get checked. I'm stressed out and it's less about my check amount for my work's worth. It's all about when I'm balling out, if I'm stalling out on my earth's purse. My palms ache to my mom's street. My address is in harm's way till her enclave is in Palm Springs and her vacation's in Pompeii. Lights off, mics off, but I can't afford to take nights off. Them lights off, mics off, that's blood sweat that I wipe off. When them lights off, mics off, and I'm praying to God if my life lost. And my lights off, mics off, then my soul glow and my lights off. Lights off and these candles lit, can't handle it. I'm smoking, I'm writing and reciting and chanting, nigga, I'm open. Hey, sipping that voodoo, if you knew that I'm choking. Dab hits like Tyson and Bison, nigga, no choking. Bon Jérémy, là on est à la salle de sport. L'idée c'est d'arriver serein sur les pistes d'ici quelques semaines. Yes. On est sur ta routine de base. Tu m'as mis sur un vélo. C'est quoi le but du jeu? Alors déjà le but du jeu c'est de sentir bien dans ton corps le matin et puis de te réveiller doucement. Ça passe par le café aussi.
un petit café et ensuite un petit coup de faire dérouler les jambes sur le vélo. Tu vas pas attaquer direct à prendre des chocs sur ton corps, là, juste mets l'eau le matin, faire tourner pour te réveiller. Donc toi, t'es là tous les matins du coup ? Je vais venir tous les matins dès que je peux, dès que j'ai assez de temps pour le faire, ouais. Aujourd'hui, ça, c'est des exercices que tout le monde peut faire chez soi, que tout le monde doit faire chez soi. Comment ça se passe ? Peu, doit, après, chacun fait bien ce qu'il veut. Surtout nous, c'est assez spécial parce qu'on est dans une communauté qui est très corps. Et la communauté corps, la musculation, c'est vraiment pas quelque chose qu'on va mettre en avant parce que c'est pas cool en soi. Mais en soi, se faire mal, c'est pas cool non plus. Et je pense que tu fasses du skate ou du ski ou que tu fasses pas grand-chose dans la vie, et bah, c'est important de se sentir bien dans son corps. Et si moi, je viens pas tous les matins ici, je sais que pendant la saison, je vais m'en vouloir. Je vais me sentir pas assez fort sur mes jambes. Et aussi, quand je vais prendre un choc, et bah, si j'ai rien sur les os pour prendre, bah, c'est les os qui vont prendre directement. Et t'as pas envie que ce soit les os qui prennent directement. C'est clair, on est bien placé pour en parler. Bon, on continue combien de temps là ? On en est pour combien de temps ? Écoute, moi je me fais mon petit 15 minutes le matin, ouais. Comme ça je fais mon petit check Instagram en même temps, tu vois, c'est vraiment histoire de me réveiller. Après, y a pas d'obligation, si t'as envie de rester une heure, tu peux très bien, mais je pense que 15 minutes, ça va, c'est bien assez pour se réveiller. Bon, bah on va finir avec 15 minutes. Tu parlais de skateboard tout à l'heure, je crois que François Pirot nous a préparé une minute matos en lien avec le skate. On se retrouve juste après. Knockboards est une marque de cruiser et de longboard fabriquée à partir de snowboards recyclés. En plus de faire de beaux produits, on les a essayés pour vous, cela permet aussi de réduire le volume de déchets générés par l'industrie du snowboard tout en préservant les ressources naturelles. Un chiffre clair résume tout. Chaque planche recyclée permet d'économiser 20 kg de CO2, soit l'équivalent de la production de 100 kg de pommes de terre. Tous les produits sont fabriqués en France par Adrien Régui et Vincent Gélin, deux jeunes ingénieurs venus de chez Rossignol qui ont décidé d'allier leur savoir-faire avec le savoir-vivre. Un financement participatif plus tard, les commandes affluent en ce moment. Vous pourrez choisir un de leurs propres designs ou bien leur livrer votre vieille planche chérie pendant tant d'années et dont vous n'arrivez pas à vous séparer. Ils vont alors vous fabriquer une planche unique entre toutes. On terminera en précisant que Nock est un soutien d'associations telles que Mountain Riders et Pau. 10% du prix de chaque skateboard vendu sur le site contribue à mettre en place avec elle des projets de sensibilisation et de protection des montagnes. Bon, Jérôme, là on passe par terre, c'est ton gainage, c'est bien ça ? Yes. C'est quoi les mouvements que tu vas faire pour ton gainage ? Alors les mouvements que je vais faire, ça va être surtout toutes les parties de mon corps, c'est-à-dire ventre, côté gauche, côté droit et dos. Pas oublier un seul côté parce que tout est aussi important. Tu tournes à droite, à gauche, en l'air, tu as besoin de tout ça pour... Par exemple, c'est vrai qu'en gainage, on a l'habitude de connaître la planche classique, là. Comme ça. Ouais. Toi, tu rajoutes quoi ? Ça, tu peux mélanger. Là, c'est un peu tôt parce que c'est le premier truc, tu vois. Mais si tu veux faire plus compliqué, après, déjà, tu as les pompes pour pouvoir faire un peu avec les pecs, etc. Donc, tu as les pompes, tu peux les faire comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Après, tu vas pouvoir jouer avec tes bras aussi, tu vois. Tu as ta planche qui est comme ça. Tu peux te la faire en pompe, comme ça. Okay. Tu reviens remonter, etc. Et là, ce qui est important, c'est surtout toujours de garder ton dos bien droit, bien aligné, toujours empilé en musculation pour pas justement faire des contraintes sur ton corps tout en étant désaxé. Parce que c'est là que tu vas te faire mal et contrairement, tu vas pas t'entraîner, tu vas abuser de ton corps. Tu fais comme ça, là, tu casses le buste doucement, attaque. Puis après, en abdos, t'as les abdos classiques comme ça, t'as les rameurs, les coups de coude comme ça. Tu peux encore faire, tu vois, ça, boum. Puis là, tu punches devant et tu retiens doucement. Tu vois, et c'est la preuve qu'avec 2 kilos, t'as moyen de te savate, quoi. Ni le dos qui casse en arrière, ni le dos qui bombe pour pas te faire mal, toujours bien empilé. Et là, tu vas pouvoir squatter comme ça et pareil, faire des exercices différents. Tu peux les faire en marchant, tu peux les faire en sautant. Il y a plein d'exercices qui sont possibles à faire pour faire en sorte que... tu te sens bien et que tu mérites ta douche. Ok. You dig ? Hop. Hop, et vas-y, fais-moi un squat là. Hop, tu descends, voilà. Regarde, garde bien le regard au niveau de tes yeux, ok ? Là, tu vois, t'as le genou qui rentre, mais faut pas que ton genou y rentre, vas-y. Refais. Toujours en gardant le regard droit, parce que quand tu fais ça, là, t'as baissé ton cou, donc t'as tordu ton dos, et donc tu t'es fait légèrement mal. Puis voilà, tu m'en fais 150 et tu m'appelles quand t'as fini. Yes, sir. Okay.
Bon, Jérém, merci beaucoup pour toutes ces infos. Je crois que j'ai de quoi m'occuper pendant les prochains mois. Toi, il y a beaucoup de choses à faire, à voir cet hiver. On suivra bien sûr ton actualité et bien sûr, on va se quitter sur quelques très très belles images, les tiennes. Cette émission est maintenant terminée. Merci à toutes et à tous de votre attention et on se retrouve très vite. À bientôt sur 8 Mont Blanc. Peace. Ça a fait ça tout à l'heure encore? Non, tout à l'heure, c'est juste bloqué. C'est bon? Vas-y, réessaye, de toute façon, ça me... Il n'a pas fallu aller bien loin pour cliquer sur le sujet de la semaine. La page Vimeo de Jérémy regorge de ses productions et ses vidéos sont tout autant hétéroclites que ses choix musicaux. On commence avec ce film tourné au Japon il y a 2 ans lors d'un séjour d'un mois dans la station de Tomamu. Petit passage par la Suisse avec de la musique douce et un Big Air placé à plus de 3000 mètres. On vous avait prévenu que Jérémy et ses potes ont des choix très particuliers en termes de musique. Et bien là, ils ont osé nous mettre du Michel et son meilleur morceau en plus. Bon, chez On a cliqué pour vous, c'est surtout parce que cette vidéo a été tournée à la maison sur le Semnose que c'est notre préféré. Pas besoin de moyens de production exceptionnels, de resorts luxueux et de billets d'avion dispendieux. Juste des amis, des pelles à neige, des caméras glanées un peu partout et beaucoup, beaucoup d'idées. On vous laisse là-dessus, à très bientôt et comme d'habitude, soyez prudents en montagne. Qu'on voit nager certains soirs d'été et replonger pour l'éternité. On y voit encore des hommes d'ailleurs venus chercher le repos de l'âme et pour le cœur un coup de meilleur. On y croit encore que le jour viendra, il est tout près, où les Irlandais feront la paix autour de la croix. Tout le prix de la guerre. Là-bas, au Connemara, on n'accepte pas la paix des Gallois, ni celle des rois d'Angleterre. Petite rando du matin de Jérémy.